tous, messieurs dames, pour la 19e émission du QMDR. Lélé est avec moi. Émission un peu spéciale, Lélé. Ouais, un peu en décalé. Ben oui, on prend en décalé parce que notre président est malade. Est producteur et gérant de tout le club, un petit peu de tous les problèmes du club, est malade, ouais. Il n'est pas bien. Donc on n'aura pas la même prod que d'habitude, vous verrez vraiment la différence quand Alexandre Barreto ne s'occupe pas du QMDR. Cependant, nous, on voulait quand même vous donner rendez-vous. C'est normal et c'est important parce que le QMDR, il faut que ce soit chaque semaine. C'est ça. Pour chacun d'entre vous. Lélé, ce que je propose, c'est que dès maintenant, avant de recevoir nos invités ultra spéciaux, tu nous fasses un petit brief du week-end et un petit brief du week-end prochain. Nickel. Alors, au niveau, on va parler que des victoires pour ce soir. Donc, on a nos U11 garçons, donc les garçons de Léo qui ont gagné ce week-end contre Joyeux Tours. Ensuite, les U11-2 ont gagné contre le TBC ce week-end. Pour les U13, c'est une défaite. Ensuite, on a une victoire des U15-M2 contre Monet de 2 points qui apparemment, ça a été un très gros match, très belle deuxième mi-temps. Bravo à vous les 15. Ensuite, pour nos jeunes de la CTC, voilà. Alors, nous avons une victoire de nos U13-2 contre Ballan. Ensuite, ouais. On a une défaite de nos U15 qui ont perdu contre Chartres. Ensuite, moins 9 pour nos U15-F aussi. Et ensuite, deux matchs au ciseau. C'est ça. Et les U15-2 ont perdu contre Jouer les Tours. Okay. Du côté des autres équipes, on a les U18 de Thomas qui ont gagné un match sur 3, donc contre le MSB, donc ce week-end pour les TQR. Ils vont refaire un dernier TQR, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Ouais. La D2 de Nathan qui a perdu vendredi soir. Oui, j'ai entendu une belle stat, 5 points en 4 points. C'est ça, 5 points en 1 mi-temps. Allez, les gars, faut bosser l'attaque. Hein. Et petit retour de Nathan personnalisé que j'ai pu avoir. Ah, cool. On un est pas retour. Ouais, pas très positif. On n'est pas du tout rentré dans notre match en première mi-temps, surtout l'écart était déjà fait. Je retiens juste la réaction des gars au retour des vestiaires. On gagne la deuxième mi-temps de 2 points. On a au moins 20 minutes de positif sur lesquels se baser pour pouvoir avancer. Donc merci Nat en tout cas. Tu avais pas mal de retours de ouais, coach. Mais c'est surtout pour les gars. Merci. Aujourd'hui, on n'a pas le temps avec Toubou qui n'a pas fait la prod, mais en tout c'est cas, ça. On vous remercie. Continuez à nous envoyer des résumés des coachs. C'est toujours sympa de le dire pendant le QMDR. C'est ça. Et on peut continuer. Et ensuite, là, je pense qu'on peut partir sur une ribambelle de victoire, puisque victoire pour la M3 samedi soir contre le TMB, 87 à 69. Quelle victoire. Petit mot, quand même. Un petit mot, un petit mot. Super match, le premier match à domicile. Ouais. Les gars ont développé un gros collectif. Ouais, ouais, vraiment, c'était impressionnant. L'équipe TMB qui avait gagné son premier match, et nous, on était à 0 victoire et défaite. Bref, il y a Aurélien, notre nouvelle recrute au QMDR, qui est rentré dans le cœur de beaucoup de personnes, oui. Dont ma femme. Et bah, dans celui de la personne de Maynard aussi. Aussi. Et super, donc on espère qu'on va aller faire une petite perf à la Jalte, même ouais, si on sait que c'est compliqué. Il y a quand même des mecs comme Jérémy Delou, qui rejoint l'équipe de France c'est à la Jalte, c'est incroyable. Qu'on recevra d'ailleurs bientôt. À la phase retour. Pas au QMDR, mais à la phase retour. Non. Ensuite, on enchaîne pour le dimanche avec une victoire de la PRF contre Saint-Cyr, 50 à 42. On enchaîne avec une victoire de la R2 l'après-midi contre Montlouis avec une victoire 65 à 37. Et une victoire de la Prénat contre l'Aglo 41, 54-50. Ouais, là, super. Un dimanche... Bravo les seniors, et de ce qu'on a vu, moi j'ai vu tous les matchs et j'ai vraiment vu l'esprit fond des toits avec des grosses défenses, un gros esprit collectif. Bon Lélé. Les matchs, il n'y a pas trop de matchs à domicile, des matchs à domicile. Non, pour les matchs à domicile, vous allez pouvoir retrouver donc, nos U11-2 qui vont jouer c'est contre tôt, hein. Le TBC à 11h. 11h samedi matin. C'est ça. La CTC Tourangelle, les U13 qui jouent contre la Dilodame à 15h45. Ok, on enchaîne avec la 15h45. C'est il n'y a pas de match avant, à 13h? Non. D'accord. Et ensuite, vous avez les U15 qui jouent à 13h45, donc les U15 filles contre Dreux. Et pour terminer, les U18 du coup de Aurel. Qui joue à Fondette à 17h45 contre Saint-Cyr. Voilà, okay, ce sont après, les seuls matchs à domicile. Match extérieur pour tous nos seniors. C'est ça, les seniors. L'après-nat jouera à Notre-Dame-d'Oué, ça reste quand même dans le département. Roderick, coaché par Mika. Mickaël Cibot, exactement. Et la R3 qui va se déplacer les Atomiques de Saint-Laurent, une équipe qui est très cotée, en tout cas dans le 41. Et la victoire la joue à la Jalte, ce sera un match difficile. C'est ça. Bon, Lélé. Ouais. C'est maintenant le moment cool où on reçoit.
nos spécialement et pour la première fois dans le QMDR, on reçoit des partenaires. Parce qu'évidemment, il y a 40 semaines de compétition, 40 émissions du QMDR, il y aura beaucoup de gens du club, des joueurs, mais on essaiera de recevoir un maximum de partenaires. Et on commence par deux couples. D'ailleurs, on commence par Pauline et Geoffroy, chez Opticien Concept, à l'heure tranquille. Je pense que vous les connaissez. Ils sont aussi partie de la famille du club avec les Boutets. Bonjour. Geoffroy et Pauline Dupuis d'Opticien Concept. Et des nouveaux partenaires, des gens qui nous tiennent aussi chaleureusement à cœur. Arnaud et Marion de l'Artiblo. Voilà, ça nous fait trop plaisir de recevoir des partenaires, car c'est aussi grâce à vous qu'on peut essayer de budgétiser les besoins du club, d'avoir des bons éducateurs, d'avoir les moyens. Joe, c'est le premier à aider aussi le Super Cup Vert. Arnaud et Marion nous aident, sont sur les maillots de la PRF. Oui, merci d'ailleurs. Et vous pouvez regarder les fesses de nos gars de la N3 et voir l'Opticien Concept aussi. On vous laisse carte blanche pendant une petite minute. Pauline, Geoffroy, vous commencez. Qui êtes-vous? On n'a pas de micro pour aujourd'hui. Alors du coup, nous on fait partie de l'entreprise L'Opticien Concept, qui est une entreprise un petit peu familiale, puisqu'on travaille tous les deux en couple. Et il y a aussi la sœur de Geoffroy qui travaille avec nous. On est sur l'art tranquille, donc si vous avez besoin de lunettes, si vous pensez que vous ne voyez pas bien les joueurs sur le terrain, si vous pensez que vous ne voyez pas bien l'Opticien Concept écrit sur leurs fesses, n'hésitez pas à passer en magasin. Les arbitres aussi, si vous voyez mal. Alors les arbitres, c'est une autre là, ça va plus loin que les yeux. N'hésitez pas à passer en magasin, il y a moins 20% pour tous les licenciés du club, donc venez nous faire un moins 20% pour les licenciés du club, c'est bien de le dire. Ouais. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, on sera ravis de vous accueillir. Trop bien, merci à vous. Et Arnaud, Marion, qui c'est qui prend la parole? C'est bah, chef Marion. La chef Marion. Nous, on est un restaurant sur Saint-Cyr-sur-Loire. On est ouvert du lundi midi au vendredi midi, au samedi midi, vendredi soir et samedi soir. Ça fait un an qu'on est ouvert. Restaurant type traditionnel avec des produits locaux et tout fait maison. Voilà. Merci. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui voient moins bien que moi et qui ont été chez Opticien Concept et qui sont ravis. J'ai personnellement été à l'Artiblo et pour les épicuriens, allez-y. Marion, c'est une chef en or et Arnaud, c'est quelqu'un qui sait recevoir. Merci à vous d'être là. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la rubrique bande-touche. Mais avant, Lélé, la photo de famille, allez-y. Hop. Ah oui, alors. Alors. Je me permets. Oh, mais bien sûr. Normalement, faut toujours être face saine quand même. Ouais, trop cool. C'est bon. Et maintenant, place à la rubrique bande de touche. C'est parti. Et rebonjour à tous dans cette rubrique bande de touche. Alors. Pour les règles de cette rubrique, ça va être très simple. Vous avez déjà regardé Burger Quiz? Oui. Bien sûr. Donc si je vous dis poivre, sel ou les deux, voilà. Ça parle. Ça vous parle. Ok, quand même petit exemple. Si je vous dis poivre, sel ou les deux, se met dans l'eau des pâtes quand elle bout. Vous me direz, répondez, le sel. Voilà. Si je vous dis les deux, enfin non, bah non, j'ai dit la réponse, c'est pas grave. Si je vous dis sel, poivre ou les deux sont des épices, les deux. Ok. Et donc, quand je vais, donc je vais vous poser plusieurs questions sur un thème que je vais vous donner au départ. Dès que vous avez la réponse, vous buzzez. Et c'est la première équipe qui répondra qui aura le point. Ok? Jusque-là, pas trop compliqué. Ça vous va? Pour le premier thème, c'est opticien, opticoin ou les deux. D'accord? Alors, première question. Opticien, opticoin ou les deux? Un de nos partenaires au service des fonds des toits. Opticien, ok. Bon, un point à ma droite. Deuxième. Opticien, opticoin ou les deux, on peut parler de lunettes. Les deux. Ouais, les deux. Bonne réponse, 2-0. Pardon. Opticien, opticien.
petit coin ou les deux, on ferme à clé pour être tranquille. Au petit coin. Un point là, on est à 2-1. Tu vois, je pense que c'est juste pas si. Il est tout fait. Ah ben non. Ensuite, opticien, au petit coin ou les deux, on ne peut pas y aller à notre place. Au petit coin. Les deux. Bah oui, c'est compliqué. Les deux, je suis en train d'étouffer, est-ce qu'on peut l'appeler? Je suis en train de m'étouffer. On enlèvera au montage. Côte, on enlève au montage. Attends, faut que j'aille boire de l'eau là. Il y en a là. Prochaine question. Opticien, au petit coin ou les deux? La mutuelle nous aide pas mal. Opticien, c'est chaud. Ça joue vite. Ensuite, opticien, au petit coin ou les deux, on peut y aller dans les galeries marchandes. Les deux. Oh! Mais ça ne peut pas faire. Bougez-vous, Joe! Ensuite, opticien, au petit coin ou les deux, on doit baisser son pantalon. Petit coin. C'est 5-1 alors. 5-2, égalité à 5-2. J'ai fait les tests, j'ai répondu exactement la même chose. Je me suis demandé s'il n'y avait pas ce. Bon, bref. Ce petit truc qui fait que non, c'est pas la gloscopie. Opticien, au petit coin ou les deux, Geoffroy et Pauline y vont tous les jours. Les deux. Mais c'est encore ici. Hein. Là, il y a 6-2. Et ensuite, dernière, elle est gratuite, celle-là. Geoffroy, il propose de nombreuses promos pour nos licenciés. Opticien, voilà. Concept. Évidemment. Toujours à préciser. Pour la prochaine, interception, contraception ou les deux? Interception, contraception ou les deux est conseillé par les parents. La contraception. Est-ce que... Ben, il y a 7-2, du coup. Interception, contraception ou les deux est utile lors d'un 1 contre 1. Les deux. À bon entendeur. Interception, contraception ou les deux, souvent sur ordonnance. Contraception. Ouais. Oh, 8-3. Ensuite, interception, contraception ou les deux, l'église n'en est pas fan. La contraception. Ouais, c'est la remontada. 8-4. Interception, contraception ou les deux, le coach adverse n'est pas fan. Interception. En fait, j'ai même pas eu. Ça l'a énervé, Pauline, les deux fois de suite. Ensuite, interception, contraception ou les deux est une très bonne défense. Les deux. Oui. Basketement parlant, une interception facile pour une contre-attaque, pour bonne défense, contraception, voilà. Non. Une contre-attaque aussi. Une contre-attaque aussi rapide, c'est ça. Interception, contraception ou les deux est utile lors d'un 5 contre 5. Interception, ouais. 5 contre 5. Mais, je suis pas dans ce terrain, on parle. Les deux sont acceptés, mais la réponse est normalement c'est interception. C'est interception, mais les deux sont acceptés. Bonsoir. Interception, contraception ou les deux est apprécié par les fans de basket. Interception. Moi aussi j'avais dit victoire. Les deux. Victoire! 10-4. Ah, ma droite, oui, 10-4 ou 10-11. Une très très belle victoire. Et bien maintenant, je vais pouvoir vous retrouver à la rubrique Final Game. Et nous voilà pour le Final Game avec les grands gagnants. Ou plutôt la grande gagnante, Pauline, parce que Nono, excuse-moi, mais. Bah, tu pensais un petit peu au menu de demain. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est à Marion de penser ça. Et Joe, on te félicite aussi pour. T'es beau. En fait, t'es beau dans le décor quelque part. T'en penses quoi, Pauline? Magnifique. C'est un peu pour ça aussi que tu l'as choisi. Bah, il est beau dans le décor de chez moi. Voilà, il est beau partout. Il est beau dans le décor partout. Il va y avoir une minute pour chacun des deux, de Pauline et Arnaud, qui vont pouvoir. Arnaud ou Bruno? Arnaud, qui vont pouvoir. Bruno, c'est son nom de scène. Qui vont pouvoir marquer. Le record est à 4 depuis la semaine dernière, depuis la première émission. On espère voir un record battu. Il y aura aussi un record de nullité. Quand Touko ira mieux, il y aura sur la prod, on verra ici le record de la personne qui a fait le plus, c'est-à-dire 4. Ici, le plus nul. Non, ici, la fille qui a fait le plus.
et ici le plus nul. Pour l'instant, vous ne voyez rien, évidemment, Touko est malade. Lélé, est-ce que tu es prête à faire le chrono? Joe, est-ce que tu peux compter pour ta petite femme? Marion, est-ce que tu peux compter pour ton petit homme? Oui, il a faim. Voir le nombre de paniers qu'il va mettre. Bien sûr. Ouais, alors dans ces cas de dos, c'est bon là, tu vois, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, parce que toi, je te vois déjà dire 15. Il ouais, n'y a pas de ça, hein, pas de trichage. D'ailleurs, j'hésite à changer le truc. Hein. Bon. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, chrono. On a reçu nos deux premiers partenaires au QMDR, Opticia Concept, à l'heure tranquille. Allez voir Geoffroy et Pauline, s'il vous plaît, les fonds des toits, vous avez 20% de remise et vous serez très bien accueillis. Geoffroy et Pauline sont des partenaires historiques du club et c'est vraiment, 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 vraiment génial de les avoir parmi nous. L'Artiblo avec Arnaud et Marion. Marion, c'est une chef en or, elle a fait ses écoles de cuisine avec vraiment les plus grands chefs de Tours. Ce qu'elle fait, c'est fantastique. J'ai encore mangé le menu du jour aujourd'hui. Le plat du jour, c'était top. Arnaud, c'est un mec en or qui vous accueillera vraiment comme si vous étiez chez vous. Il y a vraiment, on verra vraiment tout un monde éclectique à l'Artiblo. N'hésitez pas à y aller à Saint-Cyr. Vraiment, l'adresse, Marion, 89 boulevard Charles de Gaulle. 89 boulevard Charles de Gaulle, c'est l'Artiblo. Vraiment, si vous n'y avez jamais été, vous cherchez une belle adresse à Tours, c'est maintenant, c'est l'Artiblo. 3, 2, 1, c'est fini. 6. Oh, 6 pour Pauline, c'est un nouveau record. Là, c'est le record. Et 3 pour Arnaud. Il y a eu 4-4 la semaine dernière. Arnaud prend officiellement le rôle de record le plus lutté. Mais 3, je pense que ça va être vite battu. Est-ce que vous venez tous avec moi? Les gars de la N3 jouent à la jalte, franchement c'est vraiment trop sympa de vous avoir et merci d'avoir fait ce déplacement, ouais. On vous a décalé le truc. Lélé, ça me fait plaisir, ça t'a fait plaisir d'être là? Ouais, un peu malade mais ça va. Je trouve que t'es encore trop habillée sur ce tablier, on n'a pas eu assez de likes. Ouais, on a eu 12 likes, on s'est dit le tablier il sert à rien. C'est clair, je te jure. Je pensais vraiment que t'allais décrocher le 100 likes. En tout cas, on se dit 50 likes pour la semaine prochaine pour avoir Lélé un petit peu moins affûtée sur le tablier. Et moi, avec Mimi, j'espère qu'il sera reconnu, et ses petites fesses ici. En tout cas, Opticia Concept, l'heure tranquille, Artiblo à Saint-Cyr. Merci à tous, et rendez-vous le 5 octobre pour le prochain match de la N3, surtout. À domicile. À domicile, et octobre rose commencera, donc il y a de grandes chances qu'on soit en rose, le COP. Oh yeah. Gros bisous à tous. Gros bisous. Ciao.